Salut tout le monde, donc dans la suite au niveau du logiciel NomadSkull, cette fois-ci on va voir l'outil que l'on appelle Planar. J'avoue que j'ai pas tout compris par rapport à cet outil, il y a pas mal de petites subtilités. Ce qui est sûr, c'est que je vais vous faire une vidéo à part sur Blender pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Parce qu'en fin de compte, celui-ci va travailler par rapport au normal. La dernière fois, si vous vous souvenez, on a vu l'outil ici Flatten, et quand on regarde les différences, j'en vois vraiment pas, ou très peu. Donc, ce que je vais faire, c'est vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec, et comme ça, vous allez comprendre. Donc, je vais faire une comparaison entre Flatten et Planar. Vous allez voir qu'a priori, c'est par rapport à la gestion d'un normal sur la hauteur, mais je n'ai pas vraiment tout compris. Donc, si bien entendu, vous avez des informations là-dessus complémentaires et supplémentaires, je suis très intéressé, puisque moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de vous montrer tout ce que je comprends sur cette interface, ce logiciel, et après, évidemment, je ne sais pas tout, et loin de là. Hein. Donc, il n'y a aucun souci, faites-vous plaisir, expliquez-moi, même avec une vidéo, pourquoi pas, cette fois-ci, vous voyez, c'est vous qui allez m'apprendre des choses, mais voilà ce que j'ai donné compris. Bon, donc avant toute chose, je vais vous montrer la vidéo sur Blender. Donc, nous voici sur Blender, et je vais vous montrer ce que je vous expliquais. Alors, ça fait plusieurs fois que je parle de Blender, si pour X raisons vous êtes intéressé, je peux vous proposer, parce que évidemment, je suis formateur sur pas mal de logiciels, dont en l'occurrence Blender. Je peux vous proposer une formation de 4 heures, si intéressé, elle coûte 10 euros. Elle vous permettra d'apprendre au moins les bases par rapport à ce logiciel. Et il faut savoir que Blender, petit aparté, ça fait un peu de la concurrence par rapport à NomadSkull, il a évidemment aussi un mode de sculpture. Je ne me suis pas trop penché dessus, mais croyez-moi qu'on peut faire de superbes choses avec. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que quel que soit le logiciel de sculpture, que cela soit par exemple donc Sculptrice, ZBrush Core Mini, ZBrush Core, ZBrush, Blender, NomadSkull, et ainsi de suite, évidemment, on va retrouver les mêmes types de brosses puisque on ne va pas réinventer la roue. Donc, quel que soit le logiciel que vous allez utiliser, à chaque fois, vous allez retomber approximativement sur les mêmes choses. En tout cas, au niveau des brosses standards. Après, vous allez avoir des brosses un peu plus complexes comme les alpha, vous aurez carrément des trucs hyper intéressants comme les VDM, et ainsi de suite. C'est des brosses alpha mais en 3D. Enfin, il y a pas mal de choses sympas par rapport à ça. Bon. Revenons à nos moutons et revenons par rapport au normal. Les normales, comme je vous disais, si je prends le cas de ce cube, alors pareil, je vous ai mis raccourci clavier ici, puis c'est voir ce que je fais. Là, je vais faire un CTRL R plusieurs fois avec la main de ma souris. Ok, je vais faire ça. Voilà, parfait. Ça suffira. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que votre normal va travailler sur à la fois la gestion de la lumière et des ombres. Puisque c'est qu'un effet, hein, c'est juste ça. Quand je vous parle des normales, c'est juste ça. Une normale, c'est comme un trait qui serait perpendiculaire à votre surface ou à votre face. Dans ce cas précis, j'ai plusieurs faces. Donc, ce que je peux vous montrer, c'est déjà les options. On va aller ici au niveau de la face orientation. On peut voir qu'elle est bleue. Bon, très bien. Moi, j'aimerais voir un peu plus. Dans ces cas-là, je vais venir à cet endroit-là. Alors, il faut que je mette avant en mode édition. Je vais venir ici et je vais sélectionner ce petit bouton et augmenter la taille. Et bien, c'est ça vos normales. Vous voyez là. Eh bien, c'est ça, est normal, vous voyez. Donc, si par hasard, je prends ici, touche 3 pour être en mode... Alors, je dis 3 pour être en mode face. Je vais prendre différentes faces. Imaginons, je vais lui faire une inclinaison. Vous voyez ce qui se passe? Eh bien, c'est exactement pareil ce qui se passe au niveau de votre sculpture. C'est que votre normal, donc une perpendiculaire, enfin, c'est un trait perpendiculaire à votre face, va gérer à la fois la gestion des ondes, comme j'ai pu vous dire, et les lumières. Eh bien, c'est pareil par rapport aux outils. Je pense que l'outil Planar va travailler sur l'axe Z, c'est bien ce que je vous explique dans ma vidéo qui va suivre. Je pense que celui-ci va plus travailler sur l'axe Z que par rapport à Flatten qui va travailler sur les deux axes. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Bon, voilà, je voulais au moins vous faire cette petite aparté sur Blender. Comme je vous dis, je suis désolé de passer par un autre logiciel tierce, mais j'avais pas vraiment le choix. Voilà, on repart sur NomadSkull. Voilà, donc maintenant que vous avez vu ce que j'appelle une normale, vous allez mieux comprendre ce qu'il en est au niveau des outils. Si je prends ici Planar, si je fais ce genre de choses, vous voyez, ça va faire ça. Bon, très bien, pour l'instant, ça ne change pas. Si je viens ici, je vais pouvoir loquer par rapport à ma direction ou mon origine. Dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre une nouvelle forme. Je vais supprimer celui-ci. Ajouter box. Je valide. Et je fais quelque chose comme ça, comme j'ai fait la dernière fois. Là, je vais prendre une brosse de type brush et faire mes petits gouigoui ici. OK. Si je viens ici, par exemple, je vais créer, vous savez que si je peux cliquer ici sur Sub et créer un trou à cet endroit-là, d'accord? Si je prends l'outil Flatten, je vais donc pouvoir, là il ne se passe rien, il faut que je vienne ici, donc tout est verrouillé, c'est parfait. Je vais pouvoir venir ici, alors s'il veut, ah oui je suis en fil, d'accord, j'ai utilisé, c'était bizarre. Voilà, et là je vais pouvoir effacer celui-ci. Par contre, vous voyez que le trou, il ne se passe rien.
Comme je vous ai bien expliqué, l'outil Flatone va travailler par rapport à la gestion des normales, ce que je vous ai expliqué sur Blender. Donc il va travailler, imaginez, ce sont des rayons qui vont être perpendiculaires à ma surface, c'est bien ce que je vous ai expliqué. Là, vous voyez, il y a un trou, donc il ne comprend pas. Si je prends l'outil Planar, là, vous avez vu, il va interagir par rapport à ce trou. Donc en gros, j'ai l'impression que la grosse différence qu'il va y avoir entre l'outil Planar et l'outil Flatone, ça va être la profondeur sur l'axe Z. C'est vraiment ce que j'en ai compris. Alors après, vous verrez, faites des tests, essayez, vous voyez, ça peut être pas mal. Ça me fait penser à un autre outil que je vais vous montrer bientôt, qu'on appelle l'outil Layer. Là aussi, très intéressant pour pouvoir faire des formes bien plus sympathiques. Alors si on regarde les options, que ce soit Planar ou Flatone, si on vient ici, on a exactement les mêmes options. Et comme pour l'autre, je vous ai expliqué que ces options sont expérimentales et peuvent être enlevées dans le futur. C'est bien ce qui est marqué ici, à cet endroit-là. Bien entendu, n'oubliez pas que si vous venez ici, au niveau de langue, vous pouvez changer la langue si besoin. Vous cliquez ici. Alors moi, je suis sur un iPad Pro. Hein. Je me mets ici en français. Je reviens sur Nomad. Et d'un seul coup, je suis en français. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment génial. Quand vous avez vraiment une information que vous ne comprenez absolument pas, vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Alors, la traduction n'est pas parfaite, bien entendu. Hein. Mais c'est déjà pas mal. Ça vous permet de mieux comprendre ce qu'il en est. Moi, j'avoue que j'aime bien travailler en anglais. Surtout pour faire mes recherches. Donc, je me remets en anglais. Alors, si je reviens ici, vous avez donc les fameux éléments. Je reprends en avant le fameux Flatten ou Planar. Si je viens ici, vous voyez, on a bien ici Lock Direction Plane, ce que je peux vous expliquer dans l'outil Flatten. Et on a aussi Lock Plane Origin. Rappelez-vous, quand je vous expliquais par rapport à un cube, alors là, je ne sais pas pourquoi il s'est enlevé, ce crétin. Hop, donc là, je vais l'enlever. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir ma box. J'ai dû faire nouveau sans m'en rendre compte. Brush. Donc si je fais ça, voilà. Si je reprends ici mon élément, vous avez bien ces fameux éléments au niveau même planar. Hein. Lock direction, c'est que vous avez travaillé par rapport à la direction, donc de votre face ici. Et lock plane origine, c'est que vous allez même pouvoir dépasser ou déborder au niveau des côtés qui sont ici. Il n'y aura pas de problème. Et après ici, average, c'est-à-dire que vous allez avoir une moyenne en fonction de la direction sur votre plan ou en fonction de l'origine de votre plan. C'est ça que ça veut dire. Alors comme il dit bien, hein, c'est expérimental. Donc bon. Donc en gros, voilà ce que j'en ai compris entre l'outil Flatten et Planner, c'est que le Planner va vraiment travailler un peu plus, enfin Planar, pardon, va travailler un peu plus au niveau de l'axe Z, en l'occurrence au niveau de la profondeur. C'est bien ça que j'en ai compris. Bon, après, faites des tests, essayez. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Ne pas hésiter à me faire des remarques complémentaires et supplémentaires par rapport à ce que je dis. Au contraire, je suis preneur. Hein. J'ai essayé de voir sur différents forums, parce qu'on peut aller, si vous venez ici, vous cliquez ici sur forum. Là, vous aurez directement le forum sur Nomad School. Alors, bien entendu, moi, je me suis inscrit, j'ai discuté avec des personnes. Mais quand vous regardez ici, si vous tapez Planar, vous allez voir que ben, il ne vous donne rien. Donc, c'est assez bizarre. Donc là, je vais taper Planar. Et vous voyez ? On n'a pas d'explication, on n'a pas d'information. Par contre, si je tape ici Flatten, évidemment, tout est en anglais. Hein, c'est pour ça que je vous fais à chaque fois ces vidéos, parce que si vous êtes bon en anglais, bah, vous n'avez pas de problème, hein, vous n'avez pas besoin de moi, je dirais. Hein. Si je viens ici, vous voyez, j'ai pas mal d'informations qui vont me donner des trucs croustillants. Ils m'expliquent un petit peu tout ce qu'on peut faire avec l'objet Flatten. Donc après, enfin la brosse Flatten. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau de l'outil Flatten. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir l'outil qu'on appelle ici Layer. Vous voyez, il ne nous reste plus grand-chose. Il nous reste Layer, Crease. Alors après, il y a des trucs hyper intéressants qui vont être Trim, Split, Project. Vous avez aussi Inflate, Pinch, Nudge, Stamp et Del Layer. Il y en a encore pas mal. Hein. Il me semble que Tube, je vous en ai parlé, Light aussi, mais je ne suis pas sûr. Je reverrai au cas où mes vidéos, au cas où j'en ferai d'autres, c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, je voulais vous montrer ça. Alors, c'est vrai que je n'ai toujours pas fait encore de sculpture. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de projets, donc pas évident. Hein. Comme je vous dis, je suis à la fois passionné par l'infographie et l'informatique. Donc, je mets mes billes, je dirais, là où j'ai beaucoup de demandes, hein, tout simplement. Hein. Donc, je vous avais dit que je ferais des vidéos sur Nomad Skull. Ça, je vais m'y tenir, il n'y a pas de souci. Mais bon, pas comme je voulais faire parce que j'ai trop de choses. J'ai qu'une seule vie, donc désolé par rapport à ça. Voilà, bon, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne
Savoir pour tous, réalisé par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des retours par rapport à la différence entre la brosse flatten et planar, je suis très intéressé. Moi, j'aime bien comprendre. Hein. Quand je fais des formations, là c'est une vidéo, mais je fais aussi évidemment des formations, vous devez le savoir. Quand je fais des formations, je vais vraiment loin par rapport à l'explication. J'aime bien que les personnes puissent comprendre à 100% l'outil. Comment celui-ci fonctionne, comment il marche, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment important. Et là, j'avoue que je n'ai pas tout compris. Donc, bon, je ne vous ai pas dit 100% par rapport à cet outil. Je le découvrirai peut-être quand je ferai des sculptures, et ainsi de suite. Allez, je ne vous en dis pas plus, et bonne journée. Ciao, ciao.